go, go, go! Des fois, j'aimerais ça être son père. Caractère de cochon. Il est toujours dans le trouble. Sa soeur est pareille comme lui. Ce sont les êtres vivants. Ils font bouger les choses. Ah. Pour bouger, ça bouge. Une négresse. Ça ne déteint pas, tu sais? Non, mais ça jure. Il semble qu'il y a assez de blanche. Elle est très brillante et tu le sais. Brillante, brillante, tant que tu voudras. Les joueurs l'ont vu, ça fait du trouble. On n'a pas besoin de ça avant les séries. Pauvre Mercier. Puis là, on est allé au motel. Tu sais, le petit motel, ça a 20 en direction de Montréal. Puis là, quand elle a enlevé ses petites culottes, là, moi, j'ai complètement oublié qu'elle avait seulement 14 ans. Pierre, tu m'écoutes pas. Oh, écoute, Nounou, ça, carrément, ça fait 10 minutes que tu me racontes l'histoire, t'es rendu aux petites culottes, là. J'ai plus de temps d'attendre. Mais qu'est-ce qui se passe, là, encore? Hey! Le chat, on est tanné des histoires de nègres. On est écœuré de passer pour des racistes. Ça fait que sors avec ton haïtienne, puis laisse-toi pas écœurer. C'est ça, les gars? Ouais! Hey, les gars, on va te chercher les quatre prochaines games à l'étranger! Ouais! Que nous subissons une discrimination raciale de tous les instants. Mais c'est moi qui ai été insultée, pas toi, ce que je sache. Faut trouver d'autres moyens que ça pour aider notre peuple au Québec. Comme de coucher avec un petit joueur de hockey, je suppose. Oh, Charles, c'est assez. Ça fait des mois que je subis tes sarcasmes. Sans dire un mot, tu vas t'excuser. Laisse faire, papa. Ça, c'est mon problème. Vous le savez, c'est encore ici, à Montréal, que nous avons le mieux vécu. Toi, Lucie, tu es médecin. Et toi, Charles, si tu le veux, ben, tu pourrais être ingénieur. Alors, si on n'appelle pas ça des signes d'espoir, OK, je veux bien retourner dans l'île. Ah, ben sûrement pas. À travailler encore, hein, Marc? Ah, non, pas encore une. Il y en a partout, ces maudites photos-là. Ouais, mais y a-tu vu le body? Ben quoi? C'est de l'envers. Moi, j'ai vu tout nu dans le vestiaire. Pierre! Pierre! Mais lui s'est excusé. Il était pas au courant. Dumont a été congédié. Ah, ben. Pierre! Je suis content pour toi. Pierre. Je voulais t'embrasser avant que tu partes. Mais où t'étais? Je t'ai cherché toute la journée. Ben, j'avais des problèmes personnels à régler. OK, les gars, ça va? C'est gentil pour les fleurs. Mais voyons, c'est bien. J'ai repassé dans deux jours. J'ai recommencé à travailler, mais je sais toujours pas pour qui et pourquoi. Aie confiance, Ginette. Aie confiance dans les forces qui t'habitent. Trouve-les, tu vas voir combien tu peux être forte. Chaque soir, en te couchant, tu vas te demander comment tu as pu trouver l'énergie de tout faire. Je suis encore loin de ça. Je me sens toujours au bout de mon rouleau. Je vais repasser. Laisse-moi ici, Sébastien. Il est tard, je vais prendre un taxi. Comme ça, je vais être à la maison avant minuit. Mais voyons, c'est un détour de moins de 10 minutes. Qu'est-ce qui est urgent avant minuit? Paul doit m'appeler.
J'aime ça lui parler avant de m'endormir. Vous êtes vraiment heureux ensemble, hein? C'est quand même surprenant. Un prof de philo avec un joueur d'hockey. Surprenant peut-être, mais je l'aime et il m'aime. Femme des couches. Dis quoi dans la Bible dans ce temps-là? T'appellerais-tu Ginette? Seigneur, tu es pardon et bonté. Au jour de l'angoisse, je t'appelle. Car tu me réponds. Monsieur? Vous êtes Paul? Docteur Anderson? Votre femme a subi de graves traumatismes. Fracture du crâne multiple, écrasement de la cage thoracique, fracture des côtes. Elle a... Une chance sur combien? Écoutez, dans beaucoup de cas... Une chance sur combien? À vrai dire, une chance sur mille. Je voulais juste vous dire que je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit. De quoi j'en ai besoin? Ma femme est en train de mourir! C'est ça. L'amour de Dieu! Écoutez, je sais que c'est difficile. Mais deux façons de vivre la douleur. Une façon haineuse. Qui détruit, et puis l'autre. Je sais pas en quoi tu crois, mais rejette pas tout. Surtout si t'as rien de meilleur pour le remplacer. Bizarre, hein? C'est le couple qui marchait le mieux dans l'équipe. Ouais, l'équipe, là. C'est pas facile. 12 parties à jouer, Boston est en avance de 6 points, Hartford 2. Puis Buffalo nous pose dans le cul. Laisse-moi dire une chose, Phil. On va le gagner, le championnat. Même s'il faut que je crève en arrière du banc. Ben, tu peux pas y fouetter plus. Il roule déjà à la planche. Je viens de parler à Lucie. Plusieurs fractures du crâne, colonne vertébrale brisée. Dans le coma. Merci. Phil. Le gars qui va nous faire gagner la coupe, il est là, en arrière de toi. Le chat? Lambert. T'as encore grandi.
Tu es resté dans le système, toi aussi? Mes devoirs, faire monter ma rage douce. Tu te souviens notre première année comme interne? Tu disais toujours que l'amour y était pour quelque chose. Tu y crois encore? J'aime mes patients. À m'en arracher le cœur. C'est la différence entre un fonctionnaire et un médecin. T'as vu dans le dernier journal médical, on parle d'augmenter la productivité des médecins. On n'a pas changé, hein? Non, le cœur, c'est tenace. Je le sais que c'est un coup dur, mais il faut que tu te débrouilles. Ah, je vais me débrouiller, je peux jouer avec 5 défenses, il n'est pas là le problème. C'est quoi? Les gars, tu devrais voir, ils ont tout l'air de s'en aller à l'abattoir. Tu es parti, leur grand frère est parti. Tu sais ce que t'as à faire? Oui. Brasse-les. Brasse-les durs, s'il faut. Je t'appuie à 100 %. La femme de Paul Couture s'est plantée avec un char. Bon, c'est belle valeur pour elle. Puis c'est belle valeur pour Couture, mais c'est tout! Nous autres, on est payés pour gagner des games de hockey. Ça fait qu'oublier Couture! On peut rien pour lui. Inquiétez-vous pas, le petit Jésus va s'en occuper. Win! Did he really say that? Forget it, Mac. It was a cheap shot. Allez, les gars. On a gagné la game. Pour Curie. For Preach, guys! Est-ce qu'elle peut m'entendre? Je ne crois pas. Chez toi maintenant. Elle est peut-être comme ça pendant plusieurs jours encore. On ne peut pas le savoir pour l'instant. Allez, ne t'inquiète pas. On va bien s'occuper d'elle ici. Je te le promets. Viens. Parce que c'est toujours le meilleur qui part en premier. Hello. Suzy. C'est Marc. Allô? Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste te dire que... C'est le fun qui t'arrive. On te voit partout. Tes photos sont très belles. Hein? Merci. C'est pas facile à oublier. Je voulais pas que tu m'oublies non plus. Une fille comme toi, ça s'oublie pas en 3 mois. Qu'est-ce que tu dirais? Si on prenait un verre ensemble. Écoute... Le seul temps que je serais libre, ce serait demain, vers 7 h. Ah, OK. Je vais m'arranger. Thank you.
arrêtez. Arrêtez. Et lâchez-le. T'as le droit d'avoir mal. T'as le droit de crier, de hurler, de frapper. Mais personne ici est responsable de ce qui t'arrive. Ces deux dernières games, c'est à soir qu'on a une chance de les rattraper, mais non! C'est trop simple de jouer avec un peu de cœur! Couture! Tu sais, tu t'as été sur la glace ces trois buts des Islanders? Depuis le commencement de la veillée que tu te traînes à genoux dans un coin! Tes maudites prières, veux-tu bien faire à l'église comme tout le monde? Oh, puis tiens, calice! Si tu veux pas jouer, là, ou si tu t'en sens pas capable, c'est simple. Déshabille-toi et puis sors d'ici. Des gars avec des problèmes, j'en ai déjà vu, puis il y avait assez de guts pour jouer quand même. Laisse ta femme où est-ce qu'elle est, puis joue! Laisse-toi pas écœurer. Joue ta game. On va te couvrir, OK? Les gars, c'est peut-être 3-0, mais il reste encore deux périodes. Ça fait qu'on se grouille le cul, on est en break. Come on, guys! Ben non, je pense que ça répond en question, Lucien. Et on t'a déjà couvert du hockey avant aujourd'hui. Écoutez, là, vous allez m'écrire quelque chose, là. La victoire d'hier là, montre que les gars ont du cœur. Revenir de l'arrière de trois buts contre les Islanders, ça veut dire quelque chose. Bon, c'est plus rien, là. On se quitte là-dessus. Excuse-moi d'exister, tu sais. J'essaie juste de faire ma job. Jacques. Est-ce que motiver une équipe, ça veut dire insulter un joueur devant tous ses coéquipiers? En ridiculisant ses convictions religieuses. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, alors? Ce que t'as dit à Paul Couture entre la première puis la deuxième période, tu trouves ça correct? J'ai rien passé entre les périodes. Tu me connais mal, Jacques. Écoute. Ce qui se passe dans le vestiaire entre deux périodes, c'est les affaires de personne. C'est pas les affaires des journalistes, puis c'est surtout pas de tes affaires, Mademoiselle Hébert. C'est ta déclaration? Bien. Exactement ce dont j'ai besoin pour écrire mon papier. Tes propos édifiants seront publiés mot à mot. T'en fiche! Écris ce que tu voudras. Le monde s'en sac. Puis le monde s'en sac parce qu'on a gagné. Ça qui compte. Je peux ouvrir les yeux maintenant? Oui. La surprise est là! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça, qu'est-ce que c'est? C'est deux authentiques toiles de grands peintres haïtiens. J'ai acheté ça hier. Pourquoi tu as fait ça? Ben, Denis est déménagé hier. Je pensais que tu viendrais vivre ici avec moi. Je suis de garde une trentaine d'heures par semaine. J'ai mes cours à l'université. Il faut que j'étudie et que je prépare mes examens. J'ai mon internat à compléter. Sais-tu combien d'heures de travail par semaine ça représente, ça? Je te dérangerai pas. Chut, je suis pas un cave. Mais c'est pas là la question. J'ai besoin de tranquillité et de concentration. Et puis d'ailleurs, je trouve que je pense trop souvent à toi, tiens. Sans parler des folies dans les journaux, des patients qui refusent que je les touche. Et puis toi qui t'entraînes dans la journée, qui rentres tard de voyage la nuit, les éliminatoires qui arrivent. Comment veux-tu que je pense à moi dans tout ça? Une fille qui aime un gars, me semble qu'elle veut vivre avec. Pas besoin d'être docteur pour savoir ça.
Pierre, t'es plus intelligent que ça, quand même, hein? Non, mais on se voit plus. Ça marche pas, ça. Moi aussi, tu me manques. J'endors même mal la nuit. Je t'aime tellement que... je rêve d'avoir un bébé avec toi. Oui? Oh, c'est magnifique, tout ça. Hey, on est vraiment capable de faire des choses super quand on s'y met. Hein? Marc va être tellement content. Puis en plus, il va être très surpris parce que pour une fois, on a vraiment, vraiment gardé secret. Le plus dur, ça a été de ne pas lui dire bonne fête quand il est parti un matin. Oui. Je pense qu'il a oublié que c'est aujourd'hui. Bon, là, tu prends les cadeaux, tu mets ça sur la table. Toi, Marie-France. Maman, papa, il pense à nous quand il voyage. Hein? Mais oui, ma chouette. Il demande toujours de vos nouvelles quand il téléphone. Pourtant, il ne demande jamais à nous parler. Papa, il parle jamais beaucoup. C'est drôle, mais c'est comme ça. Penses-tu qu'il va être content? Ah, oh, ben oui, c'est sûr qu'il va être content. Puis surtout, il s'en doute pas du tout. Oui, allô? Allô, Nicole? Comment ça va? Oui, tu t'en viens pas? T'avais promis aux enfants d'être ici à 7 heures. Ben, c'est pour ça que je t'appelle. J'avais oublié de te dire. Ça, c'est que j'avais un rendez-vous avec Sigouin, puis ça a l'air qu'on... encore pour une couple d'heures. Marc? Prends tout le temps que tu veux. On t'attend plus maintenant. Ah, OK, c'est ça. Commencez sans moi. Moi, j'haïs ça, le hockey! C'est très sérieux, Marc. Je veux vraiment aller à New York ou à Paris. J'ai 18 ans. Quand on veut faire une carrière, une vraie, c'est là où il faut aller. Oh! Ah, je suis sûr que tu vas réussir, princesse. Je vais apprendre à danser, à jouer, à chanter. Oh! Du champagne! Ah-ah. C'est pas vraiment le champagne dont j'ai envie, Marc. Ça va pas? J'ai l'impression que c'est plus pareil, Marc. Pourquoi tu dis ça? C'était pas bon? C'est pas ça, c'est juste que... Ben, c'est normal, ça. C'est parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Non, Marc. On dirait que je me suis libérée de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Et puis moi, c'est fini, Marc. Jouer. Je suis sûre que vous allez gagner cette année. C'est toi qui as gagné, Suzy. Marc, j'ai fait ton lit dans le salon.
fait 22 jours que la femme de Paul Couture est dans le coma. Savez-vous combien on a eu de buts marqués contre nous autres quand Couture était sur la glace? 18. Pauvre Curie, il est plus là, hein? Il est plus là pantoute. Pourtant, en temps normal, tu sais qu'il est le meilleur joueur de la défense nationale de Québec. Vous allez me le demander, je suis en train de renégocier son contrat. Paul Couture, par 1 000. Qu'est-ce qu'on fait? On débranche le chauffeur? Pas de farce avec ça. Je sais plus quoi faire pour le faire réagir. Il commence à me faire pitié. Jacques, c'est pas le temps de ramollir. Il reste une semaine dans la saison régulière. On a gagné 6 de nos 8 dernières games. Trouve une façon, n'importe laquelle, mais trouve-la. C'est vraiment le fun que tu sois venu me voir avant ma retraite fermée. Alors, c'est vrai. Ils vont vraiment vous enfermer dans un hôtel pendant tout le temps des éliminatoires? Plus de grande bouffe, plus d'alcool, plus de sortie, plus de femmes, plus rien. Du hockey, du hockey, du hockey, puis du hockey. Faut quasiment demander la permission au coach pour aller pisser. Mon beau champion d'amour. Je vais suivre tes exploits à la télévision. Puis quand je vais me promener avec la coupe dans mes mains, je vais penser tellement fort à toi. Tu vas m'entendre jusqu'à Chicoutimi. Merci, Fabien. Hey, Bob, le 2000, je te dois. Je te remercie. Y'a rien là. En dois-tu encore à bien des gars? Encore 8 000. 1 000 par gars. Mais là, en jouant ma 41e partie, je touche un gros rétroactif. Le championnat, ça donne combien, Bruno? 4 000. Mais après ça, ça monte vite si on gagne une série. Faites-le pas. Coudonc, chat, joues-tu encore avec nous autres? Peut-être bien que t'es rendu trop important à cette heure pour le reste des gars. Comment ça, à cette heure? À cette heure que quoi? Ouais, il paraît que Guilbeault deviendrait comme culturel ton beau bain. Qu'est-ce que tu veux dire, là, exactement? Ben, il y en a qui disent que ta mère et Guilbeault sortiront ensemble. Ah, ça qui est toujours ses powerplays. Les autres viennent d'en haut. Hey, fais-moi pas chier, OK? Hey, le chat, si je veux une augmentation de salaire à la fin de l'année, je serais-tu mieux de passer direct par toi? Hey! Ben, écoutez, gars! Je grimperai pas dans les rideaux, ce coup-ci. Les amours de ma mère, c'est pas de mes affaires, bien encore moins des vôtres! Ben, moi, je suis mal placé de parler. C'est pas moi qui l'ai dit. Si vous faites rien, j'aurais mieux qu'on se concentre sur les Blackhawks de Chicago. C'est eux autres qu'il faut battre. Ouais, ça c'est vrai. Si on veut se faire rembourser notre argent, faut gagner ça à soir, les gars. Ouais. Les gars, on va gagner celle-là pour la nouvelle patronne! Yeah! Les gars viennent d'en gagner une grosse. On joue demain, puis ça va être tough à Boston. Ça leur ferait du bien de prendre une bière. Ça fait un mois que tout le monde se défonce. Si j'avais voulu passer de la bière, je l'aurais faite. Pas pour moi, Jacques. Pour l'équipe. L'équipe, c'est moi qui la coach. Elle toutes tes crises d'affaires, écrase. Pas tranquille. Hé, les gars! Écoutez-moi! C'est moi le coach. Toi, clairement, on rit pas. Je te l'avais dit de pas boire! C'est mon père. Il est pas content que je sois encore ici. Faut que je parte.
Comment va ta mère? Finalement, ils l'ont reprise à la manufacture, mais c'est plus pareil. Vous savez, elle part souvent de la coop. Elle vous aimait beaucoup, vous et les autres femmes. Elle dit que c'était un beau rêve. C'est vrai? Je ne savais pas qu'elle pouvait faire de si jolies choses. Alors, c'est décidé? Vous partez? Oui, c'est pour bientôt. Je vais t'envoyer ma nouvelle adresse. Toi aussi, t'as fait partie d'un beau rêve? Je crois que je t'aime. Ouvrière, hein? Ben oui, c'est ça. Justement, un cœur n'est pas le peuple. OK? Ah, je t'achale-tu? T'aimerais mieux être seul? Ah, je le sais, juste ces trous de cul, hein? Ben non. Je faisais une farce. Ah, ouais. J'ai été dégueulasse dans l'affaire des Haïtiens, hein? Vous devez donc m'en vouloir à tout le monde. Ben non, c'est oublié, ça. Les gars t'haïssent pas. Ils comprennent que t'as une job à faire, c'est tout. Ah, c'est ça. Je fais ma job. Vous dites job de fou. Ah, allez, quand m'a dit une affaire, Marc. Moi, je vous souhaite de toutes les planter. Parce que vous êtes une maudite bonne gang. Ah, je vous aime bien. C'est ça. Si tu fais ça, tu à la veille des séries. Ah, ça, c'est une longue histoire, puis pas sûr que j'ai envie de te la conter. OK? C'est... Ben moi, je lève mon verre à mes amours. C'est ça, tiens. Elle était belle. Mais comme dit ma mère, les crapauds, ça fait peur au soleil. Hein? Oui, on l'a. Hey! Pourquoi tu dis ça? Ben, c'est ça. Oui, je... Toujours être un Lulu pour tout le monde, hein? Yes? T'es carré de ça. Mets-en, Lulu. Je vais te reconduire. Alors, je vois. Mets-en. Ah! Allô? Marussia. Ah, c'est toi, Gilles. Quelque chose qui va pas? Je m'excuse, je te réveille. Ça, c'est bien, moi. J'ai pas vu l'heure passer, puis... Écoute, t'appeler. Je voulais juste entendre le son de ta voix. Comment ça va? Oh, pas si pire. Des problèmes. Problèmes qui peuvent pas attendre. C'est une saison qui est dure. Mais c'est peut-être ça qui va nous apporter. Je pense beaucoup à toi, tu sais. Sais-tu ce que j'aimerais, là? Tout de suite. C'est que tu te retrouves dans mes bras. Il me semble que tout ça est plus facile. Tu penses ça, toi, hein? Lucia, je suis tanné de me cacher puis de faire attention. Ça a placoté dans le vestiaire. Je peux pas me permettre la moindre petite erreur. Ça joue dur. Sérieux, là, OK? Surtout à l'approche des séries.
C'est ce que j'aime chez toi. Tu comprends. Allez, assez travaillé pour ce soir, M. Guilbeault. Allez vous coucher, c'est un ordre. T'as une belle voix. Bonne nuit. Et toi, t'as une belle moustache. J'arrive pas à prendre de dessus. Paul, tu ne peux rien faire pour elle pour l'instant. Mais tes enfants ont besoin de toi. Les grands-parents ne pourront pas toujours s'en occuper. Il faut t'organiser maintenant. Puis il y a aussi tes coéquipiers. Il faut qu'elle se réveille. Il faut qu'elle se réveille avant de mourir. Elle n'est pas encore sauvée. Paul, il faut continuer à vivre. Pour le reste. Oui, Bonne saison, les gars. Les séries commencent mardi contre Philadelphie. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Pas de folie. Pratique demain matin, 11h. 11h? Pierre Gagnon, t'as un rendez-vous à cette heure-là, encore ta Ferrari? Ah oh, non, elle va très bien, de ce temps-là. C'est tellement fleu, finalement. Bergeron a laissé entendre que ça serait peut-être mieux que Maryse reste dans le coma. Tu penses qu'elle resterait légume? Oui. Quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il faut prendre la vie quand elle passe, mon Denis. Puis la course cette année, c'est cette année qu'elle passe. Hey, fiche-moi la paix. Quand je veux un gars, je siffle. Pourquoi je t'ai pas sifflé? Comment ça fait qu'une belle fille comme toi, t'as pas un chum pour te protéger? Je t'attends. Tu vas attendre longtemps. Il est complètement dans le noir, là, ce temps-ci. Il va plus clair. Viens, Jimmy. Show your daddy what you can do. Just a few steps. Je veux pas. Je vais tomber. Mais tu l'as fait la semaine dernière. Jimmy, il va falloir que tu sois capable de te rendre jusqu'à 10 quand je vais revenir. Philadelphie va vous battre. C'est vraiment ce que tu souhaites? Non. Bien. Oh. Bye.
C'est vrai, ça, Francis, que tes notes ont baissé? Je me suis entraîné beaucoup. Écoute, Francis, c'est pas juste ça, le hockey dans la vie, hein? C'est important que t'as l'école. Comme ça, si ça marche pas dans le hockey, tu pourras faire d'autres choses. J'aime pas ça, l'école. Oui, mais qu'est-ce que t'aimes le plus? Le dessin. Ah ouais? Bon, regarde, là, je m'en vais pour plusieurs semaines, mais... si tu me faisais un cahier de dessin avec des histoires, il me semble que ça ferait une belle surprise quand je vais revenir. Tu aimerais vraiment ça? Ah ouais? OK. Je vais m'inscrire à l'université cet après-midi. Une crédit suffisamment de cours pour que je sois acceptée en deuxième année. Je suis content pour toi. Marc? Va la gagner. Je m'en vais chercher la coupe. Puis je suis en amour, comme toi. Ça se cache pas. Arrête de te moquer de moi. C'est beau, comme. Merci. Bye. Bye. Je vais t'appeler tous les soirs. Les gars, un peu d'attention, s'il vous plaît. Les gars. Vous savez, on a peut-être gagné la dernière game de la saison, mais on a été chanceux. On gagnera pas une série comme ça. C'est sûr. On va voir pourquoi. Phil, parle le film d'horreur. Ça, c'est un gars qui a 13 ans d'expérience en Ligue nationale. La tête d'un patin, il peut pas savoir si y a quelqu'un derrière lui, perd la rondelle. Manque de concentration, Martin, hein? OK, regardez bien ce qui s'en vient, gars. Ça, c'est ce que j'appelle une attaque de jaunisse. Regardez bien. Regarde comme il faut, Gagnon, là. Regarde, là, pour que tu te souviennes de quoi t'as l'air quand t'as assez peur que tu pisses dans tes culottes. Lambert. Tu peux m'expliquer pourquoi t'as pas passé ce maudit poc-là, Steve? Fini vos histoires de négresse, j'espère, hein? Ce que vous venez de voir, les gars, là, est-ce que vous avez de l'air quand vous pensez que ça va être facile? Quand vous décidez que vous allez avoir peur, peur de souffrir, peur d'avoir mal. Vous savez mieux que moi, il n'y a personne dans la Ligue nationale qui n'a jamais rien gagné sans avoir accepté de souffrir. Souffrir, Martin, c'est accepter de se faire cingler pour sortir les rondelles des coins. Souffrir, Gagnon, c'est pas avoir peur de se faire planter dans la bande pour donner une fraction de seconde de plus à l'autre allié. Lambert. Souffrir, ça veut dire s'oublier pour l'autre qui est mieux placé. Curé. Curé. Souffrir, ça veut dire oublier ta femme qui est dans le coma. Quand on va gagner demain soir, il va falloir accepter de souffrir. Puis il va falloir souffrir encore plus le lendemain, puis encore plus le surlendemain.